Et voilà, il faut que je travaille. Il faut que je travaille mon fade-out. Aïe, aïe, aïe. Oh, hello tout le monde. Welcome to Jake Dion's Joy of Digital Painting. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et, ce soir, on va se relaxer entre amis en dessinant ensemble de manière digitale, car c'est l'ère technologique qui nous influence. Je sais pas trop quoi dire. Faut que je travaille sur ma structure, mon intro. À chaque fois, je pense à Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants, qui est comme super tête, qui est comme sa recette, ça marche full, son affaire. Puis moi, je suis comme tout le temps un peu, j'improvise à chaque fois. Puis ben, je suis pas là, mais je m'en viens. On s'excuse pas, puis on continue, puis on va devenir de meilleurs en meilleurs. Ce soir, on va dessiner avec Axel Lenoir, ma grande chum, probablement ma meilleure amie, mais aussi une autrice de BD assez incroyable. On va jaser avec de plein d'affaires. Mais avant, on va juste faire une petite promo, car oui, je mets pas mal d'affaires. Je travaille pas mal mon Patreon depuis, j'allais dire une couple de semaines, mais une couple de mois. Puis en gros, là, pour 3 piastres par mois, ça, c'est un taille express par année, en passant. C'est genre, mettons, vous aimez mes dessins, là, vous aimez ça, checker ce que je fais. Là. Puis vous dites, ah, mais ça, je paierais un taille express, ben ça revient au même que d'aller sur Patreon. Puis en plus, qu'est-ce que vous avez en échange? Vous avez plein de comic books. Fait que vous avez à peu près toutes mes BD indépendantes que j'ai fait avant Jardin Mécanique. Ils sont tous là-dessus en format numérique. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, là. C'est beaucoup de pages, tout ça, là. Tu sais, je pense juste à Oaken, c'est 100 pages, mais après ça, tu as les deux numéros de Turbo Kid. Puis, tu as Déboire, une anthologie que j'ai faite avec Francis Ouellet puis Dominique Carrier. Puis, il y a plein d'autres petits trucs, là. En plus de ça, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez accès une semaine en avance à tous les dessins que je poste sur Instagram. Donc, je poste un dessin par jour depuis le début de l'année. Puis au début, je pensais juste faire un mois. Puis là, finalement, je pensais faire 2 mois. Puis là, je suis en train de faire 3 mois. Je ne sais pas encore si je vais faire toute l'année parce que j'ai des gros projets qui s'en viennent. Puis je veux prendre des vacances un moment donné cet été. Mais on continue au moins pour un bout. Fait que vous avez accès à ça. Puis en plus, là, c'est ça, c'est le big news, c'est l'ouverture du Jake Store. Fait que j'organise un concours sur Patreon. Si vous êtes un de mes patrons, vous pouvez gagner un des items qui va flasher à l'écran. Ben, en fait, ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Si vous allez sur Jake Store, vous choisissez n'importe quel item. Il y a des t-shirts, il y a un paquet d'affaires, il y a des prints. Il y a même des prints déjà encadrés. C'est quand même assez hot. Il y a une tasse de café. T'sais, tu pourrais boire ta tasse de café avec mon dessin dessus. T'sais, moi, je trouve ça malade. Fait que c'est ça. Il faut juste aller sur le Patreon puis m'écrire qu'est-ce que vous voulez. Puis c'est tout. That's it. That's all for the plugs. Fait que, ben, ma chère Axel, je sais pas si tu es avec moi. Es-tu là? Est-ce que tu as démuté ton micro? Oui! Dring, Dring, dring. dring. Tu sais, Dring, au début, dring. Oui, j'étais comme. allô? Allô, Axel, comment tu vas? Ça va bien? J'aime ça qu'on fasse semblant que c'est pas la quatrième fois aujourd'hui qu'on se Qu'on se parle. parle, ben oui, c'est ça. Ben, t'es une de mes meilleures chums. On se parle quasiment tous les jours. Là, c'est drôle parce qu'au début, j'appelais le monde live pendant le YouTube. Puis là, je me suis dit, ah, c'est un peu bizarre, tu sais, qu'on entende le téléphone sonner, puis tout. Ça fait weird, tu sais. Puis là, finalement, je suis tellement insécure parce que je demande aux gens de muter le micro que c'est encore plus weird parce que c'est comme moi qui. Est-ce que tu es là? Est-ce que. Tu sais, c'est pas genre une présentation, genre, allô, bienvenue, c'est genre, ça marche-tu? Veux-tu que je te conte le pire? Parce qu'il y a bien pire que ça. Tu Ben oui, sais, vas-y. les émissions de télé, là, que genre, ils cognent à la porte de l'invité, là, puis là, ils disent, hey, vous êtes là, rentrez, rentrez. Oui. J'ai déjà fait ça une fois.
Ah Et oui. c'est épouvantable parce qu'il faut que tu fasses il faut que tu fasses littéralement 3 fois la scène d'entrée de maison Oui. parce qu'il la veut de tous les angles. Fait qu'il faut que tu aies l'air 3 fois surpris que Tristan Demeure cogne à ta porte. C'était-tu Tristan Demeure spécifiquement ou... Oui, ça fait genre 11-12 ans. À l'époque, il y avait une très bonne émission à Canal Évasion qui était BD Cité. Il avait OK. fait une petite demi-heure avec moi qui associait un auteur ou une autrice de BD avec une ville. Puis moi, à cette époque-là, j'ai resté 9 mois à Joliette. Fait qu'il fallait que je leur présente Joliette comme si je connaissais ça, puis que c'était ma ville. Ah, tu sais, une année, je me suis, il me disait, il dit, hey, parle-nous, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Joliette? Puis là, j'avais juste répété ce qu'il m'avait dit de dire, puis j'avais aucune idée. Il dit, je pense qu'il y a un barrage ou quelque chose comme ça. Fait que c'est lui qui s'est mis à déblatérer. Moi, je connaissais rien. Fait Mais que, il est ouais, non, c'était intense, notre assez drôle. Tristan. Ah, mais c'était vraiment agréable. J'étais avec aussi François Maillot. OK. Planète BD, qui était, si je me trompe pas, je dis peut-être la marde, mais producteur ou réalisateur, là. OK. Là, Fait que, on parle excusez bien pour l'anecdote. du fondateur du Jurassic Park, là, le bonhomme habillé blanc là, à Jurassic Park. Oui, tout à C'est lui. fait, C'est là. okay, c'est bon. OK. Ouais. Fait que, bonjour, Jake, ça va bien? Oui, mais Merci là, pour hey, c'est drôle l'invitation. parce que tu m'as comme fait penser à ça, mais je pense j'aimerais ça avoir Tristan Demers à The Joy of Digital Painting. Ben, je suis sûr que ça serait super intéressant. Je suis sûr que tu n'aurais pas à préparer beaucoup de questions C'est parce ça. qu'on sait qu'il parle beaucoup, mais je ne pense pas qu'il serait surpris lui-même d'apprendre qu'on sait qu'il parle beaucoup. Mais je suis sûr que ça serait intéressant. Non, tu sais, je pense que genre ma job, ça serait genre. Allô Tristan, comment tu vas? Puis là, je reparle plus jamais, puis je fais juste que me relaxer, puis lui, il dessine, puis il jase, puis il est, pour vrai, il est pire que moi, là. Ça, Je suis sûr qu'il est moins pire que Todd McFarlane et Rob Liefeld. yeah! Eux autres aussi, j'aimerais Ah, ça les avoir. ils sont durs à battre en tabarnouche. Ils sont intenses en esti. Hey, il y a déjà full de monde qui écrivent. OK, t'écrivais dans les commentaires, toi, Ben tu jasais oui, avec le monde, j'ai écrit puis j'ai fait, ah oh, merde, je m'en suis rendu compte après avoir écrit le premier message, je dis, ah, il faudrait que je fasse semblant de ne pas être là, hein, mais là, il était trop tard. Fait que, il y a pas mal de monde, tu sais, le fun. Moi, j'aime ça, là. J'aime ça, le petit chiffre qu'on a, là. Tu sais, entre 15 et 20 personnes tout le temps, là, c'est comme si on était tous dans le salon puis qu'on jasait ensemble pendant qu'on dessine, là. Je trouve ça bien chill. Fait que, ben, je vois qu'Axel Lenoir est dans les. Faut bien booster les chiffres. Hein? Dans le live chat. À soir, Oui, c'est ça. on va chercher le 30 personnes à soir. Ça va être le Woodstock. Ah, oh, yes. Hey, 30, là. Je pense que 30, faudrait que je fasse de quoi de spécial, genre. À 30, parce que j'ai jamais touché 30. Le plus que j'ai été, c'était comme 27, puis ça a duré. Tu sais, YouTube, il dit combien de temps les gens restent, là. Puis le monde restait en moyenne, genre, tu sais, comme 3 minutes. Tu sais, le stream dure 2 heures. Arrête de montrer ta graine, là, les gens vont rester. Ben, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? T'sais, ça va être ça la question dans le chat, là. Si on atteint 30, qu'est-ce qu'on fait? On faudrait faire de quoi de spécial. Puis là, dites pas Ouais, monte ta graine. on pourrait écrire 30 sur notre dessin, ça serait pas Ah, pareil. ça serait quelle belle célébration! Je sais. Fait que, ben, je vais lire un peu des commentaires parce que je ne m'attendais pas que c'est rare au début du show. D'habitude, ça s'en vient progressivement, mais là, tout le monde écrit. Je pense que Ben, allô Ben, il est content, là. Je parle de lui, là, en début du show, puis je dis comment je l'admets. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Ben, là, j'ai l'air de niaiser, mais je suis extrêmement sérieux. Je trouve que depuis. Ben, tu sais, j'allais dire depuis une couple d'années, mais en y pensant bien comme il faut, ça fait vraiment longtemps, là, mais c'est vraiment un animateur qui se démarque, je trouve, qui est bon dans les interviews. Puis, tu sais, en faisant de Joy of Digital Painting, c'est pas des entrevues, mais tu sais, je jase au monde, puis je le remarque encore plus. Je suis comme, ah, si lui, il a jamais ces tics-là ou de.
t'sais, de revenir sur une question ou t'es vraiment bon, Ben. Je te le dis dans la vie en personne, mais je te le dis aussi publiquement. Je te trouve bien hot. Fait que faut que j'apprenne de Ben. C'est ça que ça veut dire. Là, il y a Foualier. T'en penses-tu? C'est Foualier. Puis il dit, Ben, il y a 15 ans derrière C'est lui. à moi Ben, que tu parles, c'est à moi il y a Foualier qui dit, Ben, il y a 15 ans derrière lui. Fait que c'est ça. C'est ça. Ben, Ouais. c'est ça que ça fait. Ça, Ben, c'est. j'ai lu pas mal les commentaires, tu peux skipper, ils sont plates. Ben, non. Mais pendant que tu parles, j'ai lu, puis c'est juste des inside jokes. Ben oui, ben oui. Bonsoir, Jake. Ah non, salut ton monde, c'est une blague, là. OK, donc, Fate, je pose une belle question là, sur le Patreon. Il dit, il y a toutes les BD pris Jardin mécanique, et il dit que j'ai déjà. Mais y a-t-il une raison pourquoi tu n'as pas mis celle d'Amos? C'est niaiseux, c'est juste que celle d'Amos Dragon, j'ai zéro droit là-dessus. Ben, c'est-à-dire, j'ai des royautés, mais j'ai pas... c'est pas à moi, t'sais. Tandis que... Turbo Kid non plus, c'est pas à moi, sauf que Turbo Kid, on a comme fait un deal pour la version digitale, qu'elle soit disponible sur le Patreon. Puis peut-être que ça va changer bientôt, je sais pas, mais pour l'instant, on s'est comme tout entendu que c'était correct. Peut-être que si je demandais à Brian Perrault si c'était correct, peut-être qu'il dirait, ben oui, je m'en fous, mais là, j'ai juste pas fait les démarches. Mais c'est une super bonne question. Il y a Cab qui est là, qui dit, je serais crissement surpris, Tristan, de mercogner à ma porte, mais hein. Puis trois fois qu'il faut à chaque fois que t'as de l'air surpris. Hein, c'est Tristan Demers. Donc, ben, on va dire salut au reste du monde. Ratastock, Z, c'est-tu par rapport à, je sais pas c'est qui. Nicolas Duchesne, bonsoir mon doux Jake. Ben, bonsoir Nicolas. Fage qui dit, party de salon chez Jake, c'est exactement ça. C'est ça la vibe que je veux un peu. On va poster ça sur 4chan, la marde va pogner. Ça manque à ma culture. Je sais c'est quoi 4chan, mais je sais pas c'est quoi 4chan. Fait qu'à chaque fois que le monde font référence à ça, je sais un peu de quoi qu'il parle, mais j'ai pas le référent. Charlotte, elle me dit contente de te pogner live. Ça, je pense que Charlotte est pas au Québec, si je me trompe pas. Je pense qu'elle est en France. Fait que, allô, Charlotte. Il est tard en France, il est 2-3 heures du matin, là. Ben, ça se peut, ça se peut. Moi, nous deux, c'est notre genre, là. Si on voit un live à 2 h du matin, couches-tu encore full tard, toi, ou t'es où dans ton rôle? Bon, je vais au lit vers minuit et demi, mais je ferme pas avant 3 heures. Je lis, je joue au Scrabble dans mon lit. Plein de choses, là. Il y a plein d'activités dans ma chambre, OK. Non, mais c'est correct parce que... C'est souvent ça qui m'arrive, moi, c'est que genre, je vais travailler super tard jusqu'à temps que je sois veg, puis là, j'arrête de travailler, mais tu peux pas aller te coucher direct après, genre, tu sais, comme 30 secondes après Non. d'avoir fini de travailler, il faut que ton. Moi, il me faut 3 heures. Comme quelqu'un qui rentrait à la shop, là, tu Ouais, sais, c'est quand il ça. arrive, il se couche pas, Exact, exact, ça n'a pas là. rapport. Fait que là, écoute, on va dessiner ensemble. Je sais que tu avais comme préparé une page avant, tu veux-tu que je monte ça? Ben oui. OK. Ben, préparé. Ben Ça non, mais enlève le c'est... spontané, hein? Oups! Oui, Voilà. vas-y. Ben voilà, c'est ça. Ben non, c'est ma petite plug, ça sera pas long. Je Ben le oui, dis vas-y souvent. fort. Parce que j'ai plein de BD qui sont sortis dans les 2 dernières années au Québec, puis dans la dernière année aux États-Unis, qui est les mêmes, en fait, si on était l'esprit du camp. Mais depuis un an et demi, à peu près, je travaille sur mon autobio, que malheureusement est trop compliqué pour que je puisse vous la résumer. Mais si vous voulez vous faire une idée, vous allez sur ma page Patreon, donc c'est patreon.com/XL Lenoir. Et en fait, sans même payer, vous avez déjà le droit à l'intro. Le premier poste, c'est sûr que là, il est rendu en arrière, là, mais des labels, vous pouvez le trouver facilement dans le. J'essaie de vous le montrer.
Sinon, non, ça, je ne le vois pas ici, mais des labels, là, c'est dans SP-Page. Ouais. Fait que vous avez, si vous êtes abonné, vous avez le droit à toutes les pages du jeudi, c'est-à-dire 2 à 4 pages semaine de passage secret. Je vous en montre quelques-unes. Vous voyez, moi, je suis abonné à mon Patreon, donc je vois mes propres pages. Tu te donnes Vous combien voyez? par mois? Est-ce que tu te Alors, moi, donnes-tu. moi, 1 million, c'est Ouais. bien. Vous voyez, comme ça, là, il y a un dessin au crayon de bois. Ici, ça, c'est les posts du lundi. J'en fais pas tous les semaines, j'en fais quand j'ai de quoi d'intéressant. Ouais, il est Puis ça, fucking c'est beau ce dessin-là. la plupart du temps, c'est des posts gratuits à tout le monde, public. Fait que même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez circuler à travers. Vous allez voir qu'il doit y avoir une dizaine, 10-15 pages de passage secret de disponibles, souvent des débuts de chapitre. Puis sinon, ben, comme vous voyez, je poste quand il y a de la couleur, c'est d'habitude, c'est autre chose. Voilà, bon, là, les gens pensent que je les ai augmentés, mais c'est juste que Patreon ont transformé en Canadien. Donc, c'était 3 par mois, ça l'est toujours. C'est juste que c'est 3 Américains qui donnent 4 Canadiens. Ouais. Et finalement, il y a un nouveau tiers que j'ai rajouté qui a pas d'allure, il est 33,50. Et c'est pour me poser une question que je vais répondre dans le courrier du lecteur qui va être dans les pages publiées aux États et au Québec. Et je vous promets de vous insulter dans la réponse. Votre nom va être immortalisé, mais ça va être surtout très, très drôle et pas du tout diffamatoire. Mais ça, c'est malade parce Donc. que juste pour que le monde comprenne bien, là, c'est que, tu sais, là, on jase ensemble, ils peuvent te poser les questions qu'ils veulent, mais c'est qu'en payant ça, tu vas pas juste répondre de même par écrit, tu vas répondre par une page de BD. Fait que c'est ça Je qui est les ai malade, c'est que postés. c'est comme avoir un peu un caméo dans ta BD, dans le fond, là, avoir ça, là. Exactement. C'est minimum un strip la réponse, puis si la question est bonne, la personne va avoir une page au complet. Puis après, ben, je m'engage aussi à envoyer la page ou le strip en haute définition à la personne en fichier informatique Ouais. pour s'ils veulent se l'imprimer ou quoi que ce soit. Mais Ouais. tu sais, c'est pour continuer à trouver Ben des nouvelles façons d'être drôle dans la BD. C'est que ça fit avec mon médium parce que je suis dans la BD et je parle au lecteur. oui. Mais Exact. donc, si vous voulez savoir vraiment c'est quoi le principe de l'histoire, les 4 premières pages, je vous résume ça assez bien. Vous allez voir, vous ne comprendrez plus rien après 4 pages, mais vous allez avoir le goût de lire la suite, c'est ça l'important. Voilà, j'ai fini ma plug. Ben non, mais c'est vraiment nice. Puis juste à rappeler aux gens, tu sais, parce que je sais que tout le monde sollicite d'un bord et de l'autre, mais tu sais, Patreon, ce qui est hot, c'est que tu peux donner un mois puis pas donner l'autre d'après. Puis genre, tu sais, moi, j'ai Ah oui, tout des à fait. patrons qui m'ont donné, mettons, 3 piastres par mois pendant une couple de mois, puis là, ils ont arrêté, puis là, ils sont revenus. Puis tu sais, c'est comme un peu. C'est une contribution, tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, je le compare un peu à donner du tip à quelqu'un qui t'offre un service, tu sais. T'es pas obligé de tout le temps aller à ce bar-là pour prendre une bière, pour payer, tu sais, tu peux y aller juste une fois de temps en temps, puis c'est ça qui est cool. Fait que là, t'as switché d'écran, là, on est rendu à ton poste de travail à toi, puis t'es en train de faire une page de BD, là. Ouais, ben là, c'est que Montre-nous je suis ça, en là, train de les faire étapes, des puis tout. pages de Si on était, qui est OK. ma BD qui paraît dans Curium et qui est publiée chez Froidfroid et chez Top Shelf. Et en fait, c'est que là, j'essaie de prendre de l'avance sur mes numéros pour le magazine Curium parce que j'ai un printemps qui va être malade mental, fait que je vais essayer de m'en débarrasser. Débarrasser, bien sûr, c'est sans botcher. Fait que voilà, ça, en fait, je suis rendu à l'étape de l'ancrage. Je peux vous montrer vite, vite, ça ne sera pas très long, je Ben vais pouvoir commencer vite à ancrer. Vous voyez, en bref, moi, je commence avec le texte et je fais les cases et le texte. Pour ces BD-là, je n'ai pas besoin de faire de storyboard. Je le fais dans ma tête à l'écriture. Je me retrouve assez bien. Je pense que c'est l'expérience qui me permet ça à ce temps. Et fait que c'est comme ça que je commence une page. Vous voyez, c'est juste un fond gris avec des cases puis le texte. ouais. Puis avec ça, ben, là, je fais le premier sketch. Je fais les placements, je fais des tests. C'est très, très moyen. C'est pas beau de même, mais après, je fais tout le temps 2 sketchs.
Je pense que c'est pour compenser le fait qu'il n'y a pas un storyboard à la base. Après, donc ça, c'est le deuxième sketch qui va être prêt à ancrer. Ouais. Puis là, ça peut paraître Qui est encore contraignant un parce peu que je lousse, peux mais même. qui est encore un peu lousse, mais il est vraiment plus défini que le premier, là. Oui, exactement. Tu sais, le final. Ah, il faudrait que je partage un autre écran. Ah, peut-être vers la fin, je vais montrer le dernier que j'ai fait qui est fini pour Ben voir ouais. la quantité de détails, la couleur, peut-être, peut-être là. Ouais. Ouais, fait que voilà pour mes étapes. C'était pas plus long. Fait que normalement, j'enlève le texte et je baisse l'opacité pour pouvoir ancrer en noir par-dessus. Ouais. Puis ça, c'est tout dans Ça. Clip Studio, là. Ouais, moi je suis dans Clip Studio à 98%. Puis t'as décidé de Pardon. garder ton fond gris pâle. Ah, ça, je sais pas pourquoi, je fais ça à cette heure. Je sketch plus en noir, je sketch en transparence, puis je garde un fond de couleur. Puis je trouve que c'est moins intimidant de page. C'est comme si c'était déjà sali, là. Ouais, mais moi, ce que je voulais dire, c'est ton layout du programme. Parce que dans les settings, tu peux le mettre en noir. Puis moi, évidemment, tu me connais tous mes programmes. Si j'ai l'option, mon YouTube est noir, mon Facebook est noir, mon Photoshop est noir. Tout est noir. Tabarnouche, on va aller changer ça. Oh, où c'est qu'on change? Mais c'est dans Interface, c'est ça? l'interface. Puis là, regarde, c'est là le light color. Puis là, tu peux mettre Light dark color. color? Tiens! Darkness! Là, on Ouais. peut le mettre. On en Tiens! met ça noir. Avoue. Je pense que c'est plus noir que noir en ce Ouais, puis moment. avoue que on dirait que ton programme il vaut plus cher à cette heure. On dirait que Batman il l'utilise, genre. Ben oui, au lieu de valoir 40 pièces, il vaut 45. C'est ça, exact. C'est cool. Ben, merci beaucoup. Maintenant, je me retrouve plus. Je suis déconcentré par toutes les. Et sais-tu quoi? Maintenant que je sais, je vais aller le changer parce que ça m'énerve. Ah, pour vrai, t'es pas Ben. dark. OK. Non, mais Ben oui, mais non, c'est juste que je veux pas. Là, à cause de ce que ça a changé, je le vois, je veux pas le voir. ouais, je comprends. Ben, Ah, c'est tu le même pas le bon changeras plus prix. tard. Tu prendras, genre, tu feras un, tu sais, par étapes graduelles, là. Tranquillement, genre, un petit peu plus foncé, un petit peu plus foncé. Il y a France, il y a Blaise qui est en ligne. Allô, Blaise. Il y a François Simard qui dit Hola, François, bienvenue, je suis content de te jaser. François vient de faire une annonce assez incroyable avec la gang de RKSS puis Outer Minds. Ils vont sortir un jeu vidéo de Turbo Kid. Fait que ça, c'est assez malade. Puis en plus, ce qui est hot, c'est qu'ils n'ont pas juste fait l'annonce, ils ont sorti comme un trailer, teaser. Puis pour vrai, aller voir ça, là, moi, c'est sûr que je vais jouer genre 2000 heures à ça. Parce que en plus, c'est un genre de Metroidvania. Tu sais, c'est pas genre un jeu de cellulaire ou tu sais, un petit platformer qui a quatre levels. Tu sais, c'est comme une grosse affaire. Fait que ça a l'air complètement malade. Puis en plus, je pense que François, il va aimer qu'est-ce que je vais dessiner tantôt parce que j'ai eu une couple de suggestions. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un clic, un déclic. Puis j'ai fait, ah ouais, c'est ça que je vais faire. Puis c'est pour les fans de métal vont comprendre. C'est un hommage surtout à toi, Axel. Mais Ah ouais? ouais, tu vas voir ça. Je vais préparer ça tantôt pendant que tu travailles, là. Tu sais quoi? Tu vas faire un cover hommage à une pochette de Scorpion? Ah, t'es proche, t'es vraiment proche. je crois. Hey, c'est temps. C'est-tu J'ai beau un cette album de chanson-là, hein? Scorpion, puis j'aime même pas ça, mais je sais pas pourquoi j'ai un album de ça. Ben, j'haïs pas ça, mais. Je l'ai vu en usager de manière. Je pourrais bien essayer d'un coup qu'il y ait des bonnes tunes. Ah, le François Simon me dit, je suis pas ce François-là. Bon, mais. Non, non, t'es ce François-là, Oui, assume. au moins c'est ça. Fais semblant au moins, là. Tu sais, pose des links de Turbo Kid, puis. Bon, mais c'est pas grave. Il y a Fage qui a une question pour toi. En fait, je sais pas si c'est Fage, je l'ai vu passer rapidement, qui demandait. Je pense que tu l'as dit tantôt, là, mais on peut leur dire. Passage secret, ça va-tu sortir une copie physique?
C'est Oui, c'est Ratastock juste que qui j'en ai. propose ça. J'en ai pas parlé beaucoup à date parce que il n'y a pas de date de fixée encore pour le Québec, mais ça va sortir donc encore chez Top Shelf pour les États-Unis puis le reste du monde. Et au Québec, peut-être la France, mais ça me surprendrait, mais ça, on va trouver une façon, peu importe pour la France. C'est Pawpaw qui va éditer Passage Secret. Donc, dans les prochaines années, préparez-vous à recevoir plusieurs tomes. Le premier tome va avoir à peu près 200 pages. Et Malade. voilà. C'est hot en crisse, là. Hey, moi, je me suis acheté Très cool. full de BD. On ne s'est même pas parlé de ça. Les dernières fois qu'on s'est parlé, je t'ai pas dit que j'ai comme viré débile là, dans mes achats de BD, là. Ben, j'ai mon... ouais, ben, on va se partager ça. J'en ai acheté plein aussi. Hey, je pense que j'ai acheté genre 6 livres de Pawpaw dans les 2 dernières semaines, Ah ouais, là. Ouais, j'ai comme viré cool. fou, là. Pourquoi par rapport spécialement? Parce qu'il t'en manquait beaucoup. Ben, parce que j'ai en fait hey, j'ai écouté La vie en BD avec Raymond Poirier, puis un moment donné, il faisait le coup de cœur de 2020, puis il y avait là-dedans Casa Rodeo de Tom. Oui. Puis là, j'avais aucune idée c'était qui. J'étais comme, voyons, ça a donc bien l'air malade, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, j'ai vu qu'une Mais de ses BD était tu dans. sais c'est qui, Tom? Tu Ben non, je ne sais pas c'est l'as qui. déjà rencontré. Ben C'est écoute, juste que tu replaces pas la face c'est avec ça. la personne. Peut-être si je le voyais, je le replacerais tout de suite, mais là, j'ai fait, attends, puis là, il y avait une de ses BD était dans la promo de Pawpaw, tu sais, quand ils ont sorti un paquet de livres à 10$. Hein. Fait Ouais. que. J'ai acheté sa première BD qui s'appelait 7 en chiffres romains. Je pense, c'est ça. Puis là, j'ai capoté. Là, j'ai lu ça, puis j'ai fait comme tabarnak, comment ça, je connaissais pas ça avant. Puis là, j'y ai écrit, puis là, j'ai fait man, c'est donc même malade. Puis là, tu sais, c'est vraiment le genre de truc qui me parle au bout, là. Puis tu sais, quand on parle de story, tu sais, c'est une leçon de storytelling, cette BD-là. Tout est Ouais. super clair, mais en même temps, c'est full complexe, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, là, t'sais. Y a full de personnages, il y a full de lieux, il y a full d'endroits, puis t'es jamais, jamais confus. C'est comme super efficace, le dessin, t'sais, c'est un mix entre. Il y a du Ren and Stimpy là-dedans, mais il y a aussi du Jeff Smith, il y a du Mike Mignola, il y a du Bruce Timm. Fait que là, t'sais, bref, je capotais. Fait que j'ai fait, m'a acheté le deuxième. Puis en même temps, toi, tu m'avais parlé des chroniques de jeunesse de Guy Delisle. Fait Oui. que là, moi, j'ai fait, bon, ben, je veux ça aussi. Fait que là, j'ai acheté ça. Puis là, après Est-ce que ça. tu l'as lu, ça, là? Non, je ne l'ai pas lu encore. Ça, je me l'ai acheté, je pense, hier. Puis là, en même OK. temps, j'étais à Librairie Z. Puis j'ai fait, ben là, il est à côté d'un autre livre que je veux depuis longtemps, qui est Les Ananas de la colère, de Caton. Fait que là, Oui, je me suis oui, oui, pogné oui. ça aussi. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté hier. Fait que là, tu sais, là, on est déjà rendu à 4, là, puis je n'ai acheté 2 autres, là. J'ai acheté Sophie Bédard, les garçons, les petits garçons, les jolis garçons. Non, les petits garçons. Les petits garçons. Des jolis petits garçons. Parce que elle, là, tu sais, je la suis sur Instagram, puis genre, ça arrive full souvent qu'elle pose des strips, ça me fait full rire, puis je suis comme, voyons donc, j'ai jamais lu rien de ce qu'elle fait. Fait que j'ai acheté ça, puis là, il m'en manque un. Je me rappelle plus c'est quoi. Bref, en tout cas. Thomas, là, ça suffit. Non, mais il y en a un en plus. Ouais. Ben ouais, fait que c'est ça. Fait que je capote, puis là, en plus, ça, je voulais t'en parler. T'as-tu fini Murder Falcon ou comme tu dis, la BD heavy metal? La BD heavy metal, je ne l'ai pas finie parce que même si je t'ai dit que j'avais finalement embarqué puis j'avais envie de la continuer. C'est que j'ai comme acheté la série complète, la dernière série de mon autrice préférée, puis là, demain, je vais chercher, ils sont mis en arrière pour moi à la librairie Z, les 4 tomes qui manquent de Tigre des neiges. Oui. Ok. Hey, je viens de catcher. Ça, c'est la même que Qui fait Blank Canva. Canvas. Blank Canvas. Ok, c'est la En même plein ça. autrice.
C'est Akiko Abishimura. Ouais, puis elle, là, ça, c'est débile. Quand tu écoutes un épisode de Man Ban là, où elle est là, là, elle Ouais. dessine ses pages de BD sur un. Comment ça s'appelle? Tu sais, un genre de notepad rigide, là. Ouais. Elle dessine ça Oh, là-dessus. C'est débile dans mais ma tête. juste pas d'aller, parce que c'est Rosawa qui fait Man Ban qui anime ça, qu'on a déjà parlé ensemble en plus à Ouais. ton émission. Et il est réputé pas seulement pour être genre le meilleur dessinateur du 21e siècle, et j'exagère à peine, mais aussi le plus rapide. Puis quand il regarde elle, il fait comme, OK, tout le monde dit que je suis rapide, mais toi, ça n'a pas rapport. Cette fille-là dessine d'une vitesse, ça, là, c'est gênant. Ouais. Pas vrai, elle a pas d'allure et elle a la capacité de dessiner absolument n'importe où. Elle, ça va prendre une bière, elle va amener son pad, même si elle saoule, elle va faire des pages de BD en se saoulant, en parlant à ses amis. Elle dessine tout le temps parce que, bien sûr, un mangaka n'a pas le choix de toujours dessiner. Ouais. Fait que, ben c'est ça, en fait, Tigre des Neiges, je peux le résumer vu que c'est sept tomes de la même série. Ben oui, puis check, je vais C'est en. garde, parle-en un peu parce que je vais switcher à moi. Comme ça, OK. tu vas comme avoir un petit break. Un petit breakdown. OK. Fait que De toute façon, raconte-moi je ne ça, là. dessine Moi, plus, je m'en tu m'as vais. juste dit c'est malade, c'est malade, c'est hot, c'est hot, mais puis je sais un peu de quoi ça parle, mais pas tant. Fait que vas-y fort. Ben, en fait, c'est que il y a des rumeurs, pas des rumeurs, plus que des rumeurs, c'est qu'il y a des gens, dont des historiens, qui affirment, qui essayent de prouver que Kenshin, le héros légendaire japonais, et je pense qu'il y en a plus qu'un Kenshin, fait que c'est pas Kenshin le vagabond, c'est Kenshin de l'époque Sengoku, donc en 15, c'est fin 1500. Non, même c'est début 1500, qui en fait aurait été une fille. Et il y a beaucoup de faits qui appuient la théorie, même si ce n'est pas prouvé. Et elle, depuis ses débuts, elle joue beaucoup avec le genre. Je parle de gender bending ou simplement parler du genre. Parce que au Japon, c'est beaucoup plus séparé qu'ici encore les genres. Et C'est elle. encore super tabou, C'est encore super tabou. Et ben, elle aussi, elle reçoit des menaces, là. Puis pourtant, elle ne fait rien de choc. T'sais, pour nous, c'est de la BD amusante, mais au Japon, ça choque plus. Et elle a décidé d'écrire l'histoire du personnage légendaire comme si c'était une fille, en prenant de la documentation et tout ça. Puis c'est vraiment le fun parce qu'au début, je me disais, bon, ça va être un BD historique, ça va être très sérieux, alors qu'elle est capable de mixer les genres drame et humour. Puis finalement, c'est drôle parce que, tu sais, c'est de la guerre, c'est dur, mais il y a des jokes tout le long. Mais pas trop, juste bien dosé. Fait que j'ai très bien hâte. Demain, je vais chercher mes derniers tomes parce que je suis obsessif. Quand j'aime de quoi, il faut que je le dévore tout d'un coup. Puis après, je fais une dépression. Puis, Il y a puis Antoine attends, mais Boulet que juste je vois qui avant, écrit. c'est combien de Oui, tomes? oui. Parce que souvent les mangas, c'est ça, là, c'est que ça Non, c'est pas devient. beaucoup. C'est sept tomes. Ok, ça c'est très peu pour une série de mangas, là. C'est une très belle édition. Puis là, j'ai vu que quelqu'un, Antoine Boulet, a demandé c'est quoi en anglais? Ben, il n'y a pas de version anglaise. C'est juste édité en français. Et Blank Canvas, c'est l'inverse. Il n'est pas édité en français. Peut-être qu'il va l'être demandé. Il y a juste une édition américaine. Fait que Antoine, tu peux juste l'avoir sous le nom de Tigre des Neiges jusqu'à maintenant. Moi, c'est drôle parce que tu sais, j'aime tout le temps mieux les versions originales. Tu sais, Ouais, mettons, j'écoute un film espagnol, je suis pas capable de l'écouter traduit en anglais ou en français ou whatever. Puis pour je suis les pareil. animés japonais, j'étais comme Chris, moi je vais les écouter en anglais jusqu'à temps, je me suis comme rendu compte que ça a aucun sens. Ça n'a pas rapport. C'est ça. Je veux pas Akira Ben, en français, je le veux en anglais. Puis t'es comme non, non, ça a pas rapport. t'écoutes tes animés en japonais. Oui, mais je parlais des mangas, mettons. J'ai dit Ouais, animé ouais, japonais, mais je voulais dire manga. ouais, ouais. Ah ouais, la vraie version anglaise. C'est Mais ça, ouais. moi, j'ai souvent acheté les versions anglaises au lieu des versions françaises parce que
Certaines versions françaises, à mon goût, étaient trop français, parisien, trop d'expressions actuelles. Mais je pense que tu sais, ça dépend des traducteurs, ça dépend des maisons d'édition. Mais je me souviens, ça s'est réglé, mais au début, dans Naruto, dans les premiers tomes, un vieux bonhomme qui dit le mot méga, là, genre, ah, c'est méga cool, c'est méga. Je suis comme, non, non, ça marche pas. J'aime quand ça reste assez international. Mais là, je me suis rendu compte avec Tic des Neiges que regarde, ça se fait en français, c'est super bien traduit. Puis ce qui est drôle, c'est que pour le on me dit que ça lague un peu le stream. Pour le film d'Akira, c'est l'inverse. C'est tellement meilleur en français qu'en Ben anglais, oui, là. hein, il paraît que les voix sont dégueulasses en anglais, En anglais, c'est que Come on, Canada, we're gonna do it! Puis là, là. je sais pas, je veux pas imiter en français, là, mais. Allez, rassurez-moi donc dans le chat si le stream est encore fluide, parce que moi j'ai eu une notification de YouTube qui dit You're not receiving enough video, puis c'est très rare que ça m'arrive. Mais dites-moi si genre vous checkez un freeze frame depuis tantôt ou si c'est correct. Les gens ont l'air à poster des choses. Moi, je vois les gens commenter puis pas parler de ça, là. Fait que là, tu me disais que la traduction est hot, mais c'est quoi l'angle de l'histoire? C'est-tu vraiment comme full historique, genre avec des détails, puis des dates, puis des lieux, ou c'est comme plus personnel? Non, 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 c'est ça qui est bizarre parce qu'elle vient du shoujo, mais elle fait pas du shoujo pur. C'est un peu un extraterrestre au Japon. Pour moi, là, tu sais, je connais pas assez toute la culture du manga pour affirmer ça et être sûr à 100% de ce que je dis, mais fait que c'est un mélange d'historique. Il y a des petites vibes. Tu vois qu'elle veut. Les hommes, il y a des hommes qui sont très beaux, là, tu sais, à la shoujo. Mais en même temps, il faut faire des choses caves. C'est comme un mélange de shonen et shoujo en même temps, avec un fond très historique. C'est sûr qu'après, les amitiés, les jokes, patati patata, elle invente plein d'affaires. Mais elle va bondir d'un fait historique à l'autre. On fait les grandes batailles, on fait, tu sais, il va y avoir les exécutions, les suicides. T'sais. Je ne veux pas spoiler, mais à l'époque Sengoku, un suicide n'en attendait pas l'autre. Ah, puis c'est fucké parce qu'en plus, t'as écouté l'autre série de samouraï là, Ben sur oui, Netflix. Fait que tu sais, sur ça. C'est-tu à Netflix. cause de ça ou ça a pas rapport? C'est juste une coïncidence? C'est un pur hasard, j'étais en train de lire la série, genre je pourrais checker ça, je pensais même pas que ça allait parler de la même époque, c'était exactement, c'est les mêmes personnages. Ok, ouais. Wow. Ouais. Ben oui, Mais c'est ça. ça. Il y a beaucoup de suicides dans ce temps-là. Oh, ben c'est que, ouais, pas juste des suicides d'une personne, hein. On force des familles entières à se suicider et les animaux de compagnie. Mais ouais, Bon. même quand le Je chien il voulais. passe, là, je veux dire, tabarnak. Ouais. Il donne un petit couteau au chien, là. Mais. Ah ouais, vas-y. Ah Puis il oui. comprend pas, il est pas capable, là, du bord. Ben non, mais les chiens au Japon ont été dressés pour savoir comment Ah faire en grande majorité. oui, ah oui, c'est clair. Dis-moi, Jake, changement de sujet parce qu'on n'est pas là juste pour parler de cette série-là. Je me demandais, toi, tu travailles depuis longtemps sur des projets, là. Tu as des gens qui te suivent à chaque lundi soir qui ont probablement des responsabilités, mais préfèrent venir te voir. Je me dis, tu devrais peut-être leur parler. Sur quoi tu travailles, sur quelle bande dessinée tu travailles en ce moment? Ouais, ben écoute, merci de me mettre on the spot sans m'avertir, c'est très cool. C'est que, en Oui. fait, j'ai peut-être pas rapport. J'ai peut-être pas rapport. Puis peut-être que je pourrais le dire. Puis en plus, je pense full à ça, ce temps-ci, là. Je trouve tellement que ça n'a pas rapport, genre vouloir comme cacher. Puis
T'sais, le marché a tellement changé, c'est sur Internet que ça se fait, puis plus tu hype, plus t'en parles, plus le monde va en parler. Ça n'a comme pas Ben, rapport c'est de faire ce que comme je pense. « secret, vous allez voir quand ça va sortir en librairie! » T'sais, ça n'a pas rapport. Sauf que l'affaire, c'est que je me suis comme mis en tête, tiens, je vais juste saver, je vais re-switcher à toi un petit peu. Je me suis comme mis en tête que Oh non, je suis pas pressé. Ouais. Que Vas-y. j'allais faire un reveal spécial. Puis, tu sais, une des affaires pendant la nouvelle année que je m'étais donné comme défi, c'est vraiment de travailler le vidéo puis tout, parce que c'est quelque chose que je faisais au bout il y a 15 ans. Je travaillais dans After Effects, puis dans Premiere, puis tout ça, puis j'ai complètement arrêté, puis là, Ouais. je veux m'y remettre un peu. Fait que je voulais faire un trailer de. Ben, je vais en faire un. De ma prochaine BD, puis que ça soit ça, tu sais, comme l'annonce officielle. Là, ceci étant dit, est-ce que je suis obligé d'attendre que ce trailer-là sorte pour juste dire de quoi je parle, de sur quoi je travaille, tu sais? Non, je pourrais en parler, puis même si le trailer sort dans 2 mois, mais c'est que. Ben, tu sais, regarde, les films, là, ils sortent des trailers, mais avant les trailers, ils sortent 18 teasers. Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste qu'on dirait que j'ai. Avec ce projet-là, il y a eu beaucoup de changements, puis tout, puis j'étais un peu insécure par rapport à la sortie. Tu sais, j'étais comme, ça va-tu sortir cette année? Fait que. Puis après ça, ben, toute la promo d'Alice est arrivée. Fait que là, j'étais comme, ça n'a pas rapport si on est en promo d'Alice, puis je suis en train de parler de mon nouveau projet. Je vais attendre un peu, je vais attendre le bon timing. Mais j'avoue que présentement, ça serait un bon timing pour juste commencer à en parler au moins, là. Juste dire qu'est-ce que je fais. Fait que, ben écoute, on peut peut-être faire ça là. Ah, je voulais surtout t'écœurer. Mais tu sais, c'est à cause que je pense à des gens, tu sais, comme Caroline, qui a trois enfants, qui ont probablement pas soupé encore, Caroline Brault, notre amie, puis qui préfère être là pour écouter tes primeurs. Ben, elle espère qu'il y ait des primeurs. Puis là, tout ça, des enfants qui meurent de faim pour rien. Je veux dire, ben, c'est toi qui décides, c'est ton channel, là. Puis pendant ce temps-là, je vais répondre à quelqu'un. C'est pas Jane Doe que je dessine, Antoine, c'est Marie, mais je vais regosser son visage. Je pense que c'est le stress de dessiner devant vous autres. Elle ne se ressemble pas tant que ça. Puis ils ont tous changé de coupe de cheveux récemment. Et ça, c'est pour. Je suis en train de dessiner des pages qui vont être dans le troisième volume, là. Fait qu'il doit vous manquer trois ou quatre looks différents. Ben ouais, ben ouais. Que a été rendu si loin que ça avec ce BD-là, c'est fou pareil. C'est malade. Moi, ouais, ça. Ouais. Ben, tu sais, je travaille là-dessus depuis 2016. Hein. Ouais. Non, non, Ça, c'est ça. là, une manche comme ça, là, je sais pas si tu vois ce que je fais, là. Attends un peu, je vais re-switcher à tous parce que j'ai comme eu un petit fuck quand j'ai switché d'écran. Je sais pas pourquoi Photoshop. La gravité sur une manche qui est vraiment slack, puis que le bras est comme Ah en oui. diagonale, ça me fait chier, là. Ouais. Fait que regarde les gangs, je le finirai pas, ce bout-là. Je vais le finir quand vous ne checkerez OK. pas. Bon, ben là, je re-switch à moi, là. Ouais, vas-y. Et voilà. Ah, ok, je pensais que c'était moi qui étais sur l'écran, désolé. Ben là, j'ai pendant que tu parlais, oui, là, mais là, je re-switch à moi, là. Fait que là, attends, y a-tu des questions? Y a-tu. J'ai l'impression qu'on est en train de répondre à quelqu'un, là. T'es en train de dire de quoi? Ah, à quel point t'es en avance? Ben ouais, c'est ça. Ça fait depuis 2016, c'est fou, là. Oui, mais j'ai pas tant d'avance, parce que là, je vais sortir, on sort le livre, ben, tu sais, on le prépare, là, je finis le deuxième livre dans quelques mois. Il faut que je fasse les pages supplémentaires, tu sais, dont les pages de journal intime, ces trucs-là. Puis, donc, je finis pour cet été. Puis, le livre va sortir début 2022, le deuxième tome, partout. Mais, tu sais, j'aurai plus tant d'avance, là, je vais avoir quelques pages d'avance. Ça fait que. Le troisième tome va sûrement prendre plus de temps à sortir. Okay. OK, j'arrête de parler de mes affaires. Ben non, 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 c'est moi ça d'un, ça m'intéresse, puis c'est cool pour le monde aussi, là. Parce que OK.
Ben parce que c'est ça le but là, du channel, c'est de jaser de nos affaires puis Non, de. non, mais c'est à cause que j'essaie de te faire parler de ton projet de BD depuis tantôt. Ah. Je me mets sur mute 2 secondes, Jake. OK, Fait c'est bon. que. Ben je peux parler un peu de sur quoi je travaille. Ben oui, why not? Why not? Fuck les secrets. C'est qu'en fait, pendant que j'étais en train de faire Alice, je me suis fait approcher par un éditeur qui est Glénat Québec. Puis en gros, c'est que eux, ils me voyaient travailler sur Alice, puis ils étaient comme on aimerait ça, on aimerait ça travailler avec toi. Puis fait qu'au début, ils m'ont offert de quoi. Puis moi, le truc que j'ai réalisé avec Alice, même si j'ai eu le fun de ma vie à travailler là-dessus, puis t'sais, j'étais extrêmement fier de la BD et tout, c'est que là, je commençais à voir mon catalogue, puis il n'y a rien, absolument rien qui m'appartenait. Puis ça me gossait un peu. Fait que, t'sais, on pense à Jardin Mécanique, juste avant Alice. Après, avant ça, c'était Turbo Kid. Avant ça, c'était Amos d'Aragon. Là, j'étais comme, ouais, ça me gosse, j'ai rien à mon nom, t'sais. Fait que c'était ça la condition que j'ai demandé à Glénat, c'est de dire, OK, j'accepte de faire une BD avec vous autres, mais je veux Mais c'est l'écrire. ta BD. C'est ça, je Ouais. veux l'écrire moi-même. Puis. Puis, tu sais, on s'en parlait depuis longtemps. Je me souviens, il y a 8 ans, 8-10 ans, tu disais que tu aimerais ça, mais ça arriverait probablement jamais. Puis, finalement, à force de l'expérience, prendre confiance, tu t'es rendu compte que l'important, c'est pas la qualité du français ou quoi que ce soit, c'est les idées. Puis, ça, t'en regorges d'idées, mon Jack. Ben merci. Puis non, c'est ça. Ça a été comme une grosse décision parce que j'étais comme il y a une partie qui est de se pitcher dans le vide là. Parce que tu sais, j'ai déjà écrit des shorts puis des petites histoires ici et là, mais jamais tu sais comme un long récit. Fait que je me suis vraiment pris au sérieux là-dedans, puis j'ai comme acheté un paquet de livres sur genre comment bien scénariser une histoire, puis j'ai vraiment, tu sais, voulu travailler fort là-dessus. Toi, je te l'ai fait Ouais. lire, je l'ai fait lire à quelques collègues, quelques amis, puis jusqu'à temps que je sois satisfait, puis je fasse comme, OK, let's go, je me pitch, puis ça va être ça. Puis il y a quelque chose de stressant un peu parce que c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que t'as beaucoup moins de pression quand tu travailles avec un scénariste parce que si c'est pas bon, tu peux pas vraiment prendre le blâme à 100%, tu sais. Tu fais comme, ben oui, si t'aimes pas Turbo Kid, ben tu sais, c'est pas moi qui l'ai écrit, tu sais. Si t'aimes pas Jardin Mécanique, ben tu sais, moi j'ai juste fait les dessins, tu sais. Puis ça c'est venu toucher une partie de moi qui j'avais comme un peu enfoui. Tu sais, c'est la peur de l'échec, dans le fond, là. Fait que Ouais, ça a été mais un gros c'est, tu sais, travail. je te coupe pas longtemps là, mais je pense que tu sais parce que si c'est un échec, c'est juste de ta faute. Ta faute et c'est dur, mais c'est un succès, c'est toi qui récoltes tout aussi. Fait que c'est comme gambler, genre Ouais. C'est tu ça. veux gagner beaucoup, je parle pas monétairement, mais si tu veux gagner beaucoup, il faut que tu mises beaucoup souvent aussi. Exact. Mais tu sais, moi, c'est ça. Quand j'étais à l'école secondaire à Polyvalente, j'avais rencontré un moment donné un orienteur, je sais pas trop, là. Puis, tu sais, j'avais une rencontre avec parce que mes notes, ça avait pas de bon sens, là. Puis c'est ça qu'il m'avait expliqué. Il avait fait, tu sais, pour toi, c'est plus facile échouer en te disant que tu n'as pas essayé, voire que tu n'es pas capable. T'sais. Si tu Ouais. étudies jamais, ben au moins, même si tu as 21% en maths, ben tu te dis c'est pas moi qui ai cave parce que j'ai pas essayé, dans le fond. Fait Ouais. que ça m'a bien gros marqué, là, cette discussion-là. Puis j'étais comme Chris, il a raison, Sti. C'est qui Puis t'a dit ça? c'est un orienteur à Polyvalente, là, quand j'étais petit, là, quand OK, j'étais OK, petit. OK. Parce que pour les gens qui ne savent pas, j'ai lâché l'école. Moi, j'avais 15-16 ans environ.
Fait que c'est ça. Ça, c'était comme une grosse barrière à traverser au niveau de l'ego, puis de je suis assez bon pour faire ça, si je me plante. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais tellement bien entouré par toi, entre autres. T'sais, toi, tu m'as bien gros aidé, pas juste dans l'écriture du scénario, mais dans avoir le bon mindset, justement, t'sais, dire. Pas grave là, si tu fais des fautes, là, tu sais, c'est pas ça, là, être un scénariste. Puis aussi, c'est que j'ai tellement travaillé sur le scénario de Alice que ça m'a mis en contact avec ça. Tu sais, c'est moi qui l'ai édité, ce scénario-là. Tu sais. Puis je voyais que Patrick faisait Ouais. full. Tu sais, Patrick fait full de fautes là, quand il écrit. Là, des fautes de frappe, là, tu sais. Puis c'est pas ça qui l'arrêtait. Puis j'étais comme OK, fait que c'est peut-être pas si. T'sais, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je change de personnalité là, si je voulais écrire un livre. Ouais. Puis là, ça m'a comme fait rendre compte que, OK, non, je suis peut-être capable. Puis, ben, t'sais, après une couple d'essais, puis une couple de drafts, puis aussi d'essayer de trouver. T'sais, quand que je lisais, puis je m'instruisais sur. T'sais, je prenais des masterclass, puis tout, pour la scénarisation, puis t'sais. Il y a plusieurs points qui revenaient sans cesse, tu sais. Puis un des points, c'était rends ça, essaie de te rendre au niveau où c'est inconfortable, dans le sens de qu'est-ce que tu es en train de dire, tu sais. Si tu fais juste rester de Ouais. surface générique, c'est pas intéressant pour personne. Si tu as l'impression que tu en dis trop sur toi, c'est là qu'il faut que tu ailles. Fait que je me suis un peu nourri de ce que je suis en train de vivre, de mes dernières années, de la relation avec ma blonde. T'sais, j'ai l'expression se mettre à poil, c'est ça que j'ai fait. Fait que. Puis ce qui est drôle, c'est que quelqu'un qui me connaît pas ou qui me connaît pas en profondeur va lire ça et va faire ben là, c'est pas de l'auto-bio pantoute, tu sais, ça n'a pas rapport avec toi. C'est une histoire qui se passe dans les années 70 en campagne. Mais quelqu'un qui me connaît fait comme OK, ouais, c'est ça, t'as décidé de parler de ça, là, shit. Fait Ouais, c'est. Puis tu sais, je pense que, tu sais, en plus, de toute façon, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais je pense qu'en grande partie, même si on fait de la fiction, on fait de l'autobio, puis même si on fait de l'autobio, on fait de la fiction parce qu'on transforme les choses sans le. Fait que. Mais ouais, continue, excuse. Non, mais c'est cool. En même temps, je check un peu les commentaires. Il y a Oui, là, Fun Film. c'est focal parce que là, oui, ben attends, là, il y a quelqu'un qui t'a demandé si tu faisais Jane Doe de la pochette de Converge. Puis là, moi, j'ai répondu non, c'est Marie que je dessine parce que dans Si on était, il y a un personnage qui s'appelle Jane Doe et on est les deux fans de Converge. C'est Fait que ça. ça a créé le bordel un peu. Je pense qu'il va falloir annuler la session, Jake. Mais t'as-tu vu mon dessin à moi? Oui, je Ah, viens ben de le c'est voir. ça, ben Ça capte. Ah ouais. c'est. Tu t'empoignes-tu? Ben oui, ben remets-le, là. Je viens de catcher que tu dessines Jane Doe, mon Je personnage. dessine ton personnage, mais la pochette de Converge, genre. Mets-le encore. Tu sais, moi, je ne suis pas concentré en ce moment parce que j'essaie de tout faire en même temps, puis mon chat est colis. Ah, qui crie ce que c'est. Jake, je suis bouche bée. Je pense que je vais partager mon. Je vais chercher une Django pour la montrer aux gens. Ça, c'est pas du tout dans ce style-là. Là. Ça a l'air d'une déesse dans un univers post-apocalyptique. La mienne est. Quel Django que je peux vous Fait que montrer? c'est Jane Doe de Si on était, mais Si était une pochette de Converge. J'ai-tu Mais là, une Django c'est pas fini, proche? là. Je vais revenir à ton écran, C'est là. super beau. Ben, merci. Il y a un artbook et une BD. C'est pas super rentable. Qui dit ça? Ah, là, c'est ça. Ah, il y a beaucoup de questions. C'est le fun, là. Il y a full de monde qui écrit dans le chat. Ben, pendant que je cherche, lis ça, Oui, là. c'est ça. J'aimerais voir un jour un exemple d'artbook, Fage, qui dit ça. Ouais. C'est intéressant. Moi, ça fait longtemps que j'y pense. J'ai d'ailleurs un projet avec quelqu'un d'autre pour faire une espèce d'artbook un peu narratif et j'en dirai pas plus.
C'est ça, Antoine Boulet dit, j'ai lu la plupart de tes trucs, mais pas Passage Secret. Bon, ben Antoine, la solution est simple, va dans la description du vidéo et va-t'en sur le Patreon d'Axel. Tu as le premier chapitre gratuitement là-dessus. Puis si t'aimes ça, ben... Non, pas le premier chapitre, mais tu as des pages. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. C'est vrai, parce que toi, tu fais des gros chapitres, mais tu sais, comme tu peux voir le feeling un peu de voir si t'aimes ça, Ouais. mais si t'aimes les autres BD d'Axel, c'est pense-y même pas, là. Donc, Fun Film Distribution, je crois que je sais c'est qui ça. Donc, ça doit être Francis. Allô, mon beau Francis, je m'ennuie de toi. Salut Francis. Je te liche la face. Il dit, j'ai vu des sketchs. Oui, c'est ça, il doit parler de ma BD. La BD s'appelle, le projet s'appelle Chanson Noire, en passant. C'est comme ça que ça... Au primaire gang, enregistrer ça. Ouais, enregistrer ce moment-là, ça s'appelle Chanson Noire, puis c'est une BD d'horreur cosmique qui se passe dans les années 70 au Québec, en campagne. Puis oui, Francis aussi, ben Francis qui a collaboré avec moi sur Déboire. Fait que c'est une des personnes à qui je vais shooter mon scénario, faire comme ça a-tu du sens, ça se tient-tu, c'est-tu correct? Puis j'y avais montré des sketchs aussi, puis il dit c'est plus 6. Je sais pas si c'est bon, plus 6, mais ça passe. Plus plus 6, ben oui. Ben, je pense que sûrement que ça veut dire d'autres choses ou qu'il a voulu taper d'autres choses parce qu'il a tout de suite après dit c'est la plus belle affaire ever. Je m'en remettrai jamais. Fait que ça doit vouloir dire d'autres choses, plus 6. Ah, sais-tu les films? Non, ça ne prend pas. Les films côté 1, c'est un chef-d'œuvre, je sais pas. Ratasta qui dit Finally Jake, de quoi de ta propre plume? Mais hein, ouais, c'est ça. Puis c'est le petit truc que j'ai oublié de dire tantôt, mais c'est que. Une fois le petit stress passé, puis une fois que j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai vraiment eu du fun. Tellement que j'étais comme, OK, je ne peux plus dessiner pour du monde. Là, à moins que ce soit vraiment comme une collaboration incroyable. C'est sûr que si Neil Gaiman il m'écrit, puis comme ça te tente-tu de dessiner ma prochaine BD, oui. Mais sinon, je veux dire, j'ai tellement trippé à écrire puis à développer mes personnages. Il y a des moments où je riais avec eux autres. Il y a des moments où j'avais la chienne avec eux autres. Puis j'avais jamais vraiment vécu ça là, avant avec des personnages fictifs. T'sais. Oui, dans Ça, c'est de Alice. la folie un peu, ça, Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. là. C'est ça. C'est de la folie, ben raide. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. J'ai adoré ça, cette folie-là, de se plonger, puis de penser à ce monde-là que tu as inventé dans ta tête, mais tu penses tellement à eux que ça devient du vrai monde, là. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Ah, c'est la raison pourquoi je fais de la BD, hein? Je comprends parfaitement. Ouais. Francis, il me dit, Sénécal qui fait foule de fautes. Ben oui, ben oui. Puis le pire, c'est c'est vraiment parce qu'il écrit rapidement. Puis parce que tu le vois que c'est des fautes de frappe. C'est pas des fautes comme moi qui accordent mal son français, là. Puis c'est ça. Ratastock dit, il y a des correcteurs pour ça aussi, exact. Fage, question pour vous deux. Si vous n'aviez qu'une seule œuvre que vous avez fait à choisir pour vous présenter en tant qu'artiste, vous choisiriez lequel? Une seule œuvre et non une série. Tu sais-tu, Axel? Si, si quoi, si? Si tu avais juste J'ai pas compris, mon téléphone a coupé pendant 3 secondes pendant que. Si tu avais juste une œuvre à présenter qui te représenterait, ça serait laquelle? Tu as le choix d'en choisir juste une. Pas une série, mais une BD, là, une œuvre. Ah, une de nos œuvres à nous, là. Ouais. Mais une œuvre qu'on a faite, là, pas une œuvre d'un autre. Ben là, je veux dire, je suis en train de faire mon autobio avec Passage Secret. Fait ce serait. Alors, j'ai pas le choix. C'est Passage Secret parce que je pense que c'est la BD qui est. C'est ma BD qui a été faite avec le plus
avec le moins de compromis. C'est elle qui est le plus moi. Puis, non, non, voilà. Tu sais, une auto-bio, ça serait épouvantable de botcher une auto-bio. Hein? Toi, ça serait quoi? Moi, je pense que c'est Alice pour le moment. Puis même, je sais pas, tu sais, j'ai un paquet d'autres séries en tête, là, puis je suis comme, ah oui, ça va être moi, ça. Je sais pas. Parce que c'est sûr que pour Chanson Noire, j'ai essayé de. Tu sais, c'était un peu une expérimentation. Je voulais un one-shot. Fait que, tu sais, je voulais pas me lancer dans de quoi de trop gros. Je voulais de quoi de quand même petit. Fait que, tu sais, je dirais pas que c'est l'œuvre qui représente qui je suis. Ouais. Mais l'autre d'après, peut-être, Moi, l'autre d'après, c'est quoi déjà le titre de l'autre d'après? Ça, je m'en souviens plus. Mais moi, j'ai l'impression que l'autre d'après, ça va être ton nouveau premier choix. Ouais, J'en doute peut-être. pas, là. On verra, on verra. Moi, je sais même pas à quoi ça va On ressembler, verra, mais c'est ça, c'est que ben, ça et tout, je peux le dire, là. C'est que Axel, hein? tu m'as aidé beaucoup pendant que j'étais en train de signer Chanson Noire. J'ai aussi fait une demande de sub pour faire un album, puis j'ai eu ma subvention grâce à l'aide d'Axel. Ouais. Fait que là, ça, c'est une position assez. Assez hot pour un travailleur autonome, pour un auteur de BD, c'est que là, tu te ramasses avec deux projets signés, cannés. C'est sûr que ça se fait, c'est sûr que ça va être publié, c'est sûr que ça va sortir. Fait que c'est extrêmement rare que, genre, deux projets d'avance comme ça sur la table, là. Fait que je me sens extrêmement privilégié de ça. Ben, tu travailles fort, fait que c'est normal que les choses, si tu récoltes, les choses viennent à toi, mais avant tout, tu travailles, fait que c'est ça. Mais c'est aussi que je suis chanceux d'avoir du monde qui m'aide autour. T'sais, toi, t'en fais partie, mais il y a t'sais, aussi ma blonde, puis mes amis. C'est con, mais je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire tous ces projets-là si j'étais tout seul, puis j'étais juste en train de broyer du noir dans mon arbre. Ça peut craquer, là, d'avoir des gens autour. Puis t'sais, toi, c'est que tu m'aidais. En tant qu'ami, mais aussi en tant que professionnel. Tu sais, t'es une autrice qui a publié, toi, les affaires, ça va super bien de ton bord, t'es aux States, tu sais. Fait que c'est tout, c'est pas genre mon cousin, puis là, je veux pas dire mon cousin en particulier, mais tu sais, comme, c'est pas genre un ami qui dit, ouais, tu devrais là, y aller, là, donne ton nom là, à Marvel, là, ils vont t'engager, là. T'es comme, non, c'est pas de moi, ça marche. Hey, mais je pense à ça. Ça pourrait m'en. C'est une bonne idée. On n'a pas pensé à faire ça. Ah, mais ça, j'ai hâte d'en parler parce que je vais probablement inviter Djibril dans les prochaines semaines, puis j'ai bien hâte de jaser de son travail avec Marvel, puis comment que ça se passe. Ça serait tellement drôle que ce soit son oncle qui a dit, ben, tu devrais donner ton nom à Marvel. Je vais continuer un peu lire les commentaires parce que le monde est dedans, c'est cool. Veux-tu switcher À plutôt moi? à ton dessin, puis je vais lire les commentaires. Ah, Là, ok, oui, c'est bon. je vais le pogner. Je vois que Funfilm a accaparé tout le channel pendant un Ouais, ben bout, c'est fait qu'on va le parfait. bannir. On va Exactement. le bannir. Non, mais je vais. On bannit pas Ta, 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 Francis, là, ta. franchement. OK, non, je vois la question de Fetch, fait que je peux continuer. Avec qui tu as un projet de hardbook? Non, tu le sais pas. Allô, les magnifiques. OK. Tu as vu venir mes plus. Ouais, le plus 6, tu l'as. OK, je vais continuer après ça. Le plus 6, c'est quoi? Je sais pas. By the way, Jake, c'est JP et tu sais comment je t'en parlais souvent d'écrire toi-même. Moi aussi, je suis convaincu que tu as l'univers pour. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qui dit ça? C'est Ratastock Z qui Ah. est GP. Ah. Oui, Ben merci. Axel, ton writing est vraiment très bon et vivide. Hey, merci, c'est vraiment gentil.
Caroline, tu viens de décrire le feeling d'avoir des persos qui vivent rent-free dans ta tête. Bon, Caroline a fumé, je pense. c'est quand, Caroline? On l'aime de T'as même. tout à fait raison. Pour ceux qui écrivent pas puis qui se demandent, tu sais, les auteurs, ils répètent tout le temps la même maudite affaire. Ils disent, ah, les personnages, l'écrivent à ma place, tatatata. C'est faux. C'est vraiment nous autres qui l'écrivent, mais c'est que les personnages, quand tu viens les connaître, tu sais, je pense que ça va aussi avec l'expérience, peut-être, je ne sais pas. Je peux juste parler pour moi, mais à un moment donné, c'est que tu sais par défaut que pas ce que ton personnage va faire nécessairement, quoique souvent oui, mais tu sais au moins ce qu'il fera jamais. Fait que tu fais juste, il faut des situations, les situations que tu as prévues dans l'histoire, puis ton personnage répond instinctivement, puis plus tu travailles avec ce personnage-là, plus les histoires s'écrivent tout seul. Mais après ça, ce qui s'écrit pas tout seul, c'est les situations dans lesquelles tu les mets dedans. Là, c'est là le travail de trouver donc une bonne histoire. Mais pour moi, je pense que Jake et Caroline Cab font partie des mêmes genres. C'est pas le côté personnage qui est intimidant. Ça va être plus trouver la superbe histoire qui va toucher les gens et les ébranler. En tant que lecteur, je vois une énorme différence entre un personnage marionnette qui a pour but de progresser l'histoire de l'auteur versus un personnage, un personnage réel qui a sa propre intrigue. Même affaire, il faut, moi, pour apprécier une histoire qui est avant tout, comme tu dis, une marionnette qui subit l'intrigue, il faut vraiment que l'intrigue soit incroyable. Sinon, moi, je suis vraiment. Si tu mets un personnage qui est super intéressant, bien écrit, il peut pratiquement rien y arriver. Je joue juste des choses simples, puis je vais être fasciné parce que je veux suivre ce personnage-là. Quand tu l'écoutes à la télé ou que tu le lis, t'as l'impression d'être dans sa peau, littéralement. Je le vis en ce moment avec Tigre des Neiges, là. C'est pour ça qu'il faut que je les lise toutes parce que c'est du moins Kenshin. Et puis, tu sais, en plus, il y a un truc de gender bending, patati patate, qui fait que je m'identifie beaucoup. Puis, en plus, c'est vraiment spécial parce que Axel, la jeune Axel, comme je la décris au début de mon livre dans les années 80, là, je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais il y a des différences avec la vraie personne que j'ai été quand j'étais jeune. Mais son caractère ressemble beaucoup à ce Kenshin-là, cette fille qui se fait passer pour un homme. Ça me fascine complètement. En passant, ce n'est pas à cause du gender bending que j'ai été lire ça. Je lis d'autres choses que, que des. Bon, je continue. Ton succès est mérité, Jake. Il faut être une bonne personne pour attirer les bonnes choses. Flamme, flamme, flamme. J'ai rajouté des flammes, il y en avait juste une. Ça, c'est Hey, ça, là. Mademoiselle Lisa qui te dit ça. Je voulais pas y mettre des flammes dans la bouche. Mauvaise Ça prend du travail. traduction, ça. Cab dit ça prend du travail pour avoir un bon network et tout. Hein? Bon, la rabat-joie. Finch, est-ce qu'un petit projet BD avec plusieurs BDistes ensemble vous intéresserait un jour, comme du genre une histoire, 10 BDistes différents? À ce point-là, non. Moi, non. Je te ferai répondre après, Jake, si tu veux. Ben non, ben vas-y donc. Vas-y donc, moi j'ai ma version. Moi, ça me tenterait au bout, mais pas tout de suite. Là, je suis comme trop dans mon exploration d'écrire pour moi. Mais mettons, dans une couple d'années, un genre de projet, genre on est, je sais pas, 4-5 dessinateurs. Tu sais, je pense à, mettons, Last Man ou au Québec de concert, là, tu sais, un genre de concept qu'il y a. Il y a plein d'auteurs différents, mais qui. Ça me tenterait. J'ai envie de tout ça. Mais pas tout de suite. Moi, ma version courte, c'est que ça fait rêver. Cab vient, c'est mon plus, c'est ma plus un que je vois une fois par semaine, vu qu'on habite seul. Et les soirées, des fois, on ne sait plus quoi faire. À force de faire tout le temps la même affaire, fait qu'on s'amuse à inventer
des univers rocambolesques. Là, on est en train d'imaginer l'univers de la BD québécoise, mais en roman savon, là, à la Dallas ou je ne sais pas quoi. Mais puis tu sais, on se dit, ah, ça serait drôle de la faire à gang. C'est vraiment le fun de penser à ça. Mais le problème, c'est que c'est vraiment dur de faire de la BD, c'est vraiment long. Puis c'est notre gagne-pain, fait que c'est dur de se lancer aveuglément. Tu sais, on ne peut pas starter un projet de BD qui a trop de risques, sauf si c'est un projet BD qu'on fait en fanzine, mais là, si c'est un fanzine, donc ce n'est pas le même temps qui va être investi. Tu sais, moi, j'aimerais ça faire un projet capoté, genre avec toi et Cab, mais ça serait notre projet principal. Tu sais, on donnerait tout là-dedans, mais c'est ça l'affaire, fait que c'est plate de devoir faire des choix. Moi, en ce moment, j'ai genre 10 dossiers de projets que je voudrais vraiment faire après celui que j'ai en ce moment. Puis ça, c'est sans compter les centaines de dossiers de projets que j'ai jamais faits, que j'ai juste écrits. Fait que, tu sais, la vie est trop courte, c'est trop long pour faire de la BD pour se lancer avec les mains. Fait que, je dis pas que ça arrivera pas, mais si ça arrive, il faut que ça soit sérieux, planifié. Puis souvent, quand tu dis ces mots-là à des auteurs de BD qui voyaient ça plus comme un amusement, ben ils te flushent du projet. Non, c'est ça, c'est que. Puis je pense que c'est pour ça que ça marchait Last Man, c'est que il y avait une machine derrière eux autres, là. T'sais, puis il y avait un système en place avant même de Oui. commencer à publier. Fait que c'était comme ils savaient que les rôles étaient définis comment, ils savaient combien de volumes ils allaient faire, ils savaient le format, t'sais. Puis écoute, ils ont fait ça. Ils ont fait, je pense, 12 albums en 5 ans, là. Ça n'a pas de bon Oui, sens, ben là. c'est ça. Mais tu sais, il faisait ça, un, avant tout parce qu'il aimait ça, puis deux, pour faire du cash. Tu sais, comme nous tous, on veut gagner notre vie. Tu sais, c'est un projet qui est pensé pour être une réussite autant qu'un amusement. Puis c'est pour ça que c'est compliqué la co collaboration. Parce que, tu sais, genre, vous verriez comment Jake fait une BD, puis après, comment moi je fais une BD. Puis Ça n'a rien à voir. il y a pratiquement aucune étape qui se ressemble. C'est à ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compatible, mais après ça, c'est de trouver c'est quoi notre compatibilité, là. Exact. Bien dit, bien dit. Veux-tu que je continue ou je suis parti, là? Ben oui, moi je vais continuer mon dessin, puis tu me diras quand tu veux switcher, là. Ça sera pas très long. Funfait me dit plus 6, c'est mon chat qui a marché sur mon clavier, je m'excuse. Ben, Francis, si c'est bien Francis, moi j'ai le maudit chat cave qui pense depuis 2 heures que c'est son heure de manger, alors qu'il a toujours mangé à la même heure depuis 5 ans. Fait que je comprends, les chats sont c'est Satan. Ouais, les choses sont graves. Caroline Bro dit clair, ça m'a pris 20 ans dans mon cas. Qu'est-ce qui t'a pris 20 ans, Caroline? Là, je suis un petit peu perdu. Ouais, c'est ça, c'est que ça, c'est un peu tough, là, à cause du lag. Il y a des affaires qu'on a parlé il y a 10 minutes, puis. C'est pas grave, au pire, elle m'écrira pas aussi. Tu vois, là, Ratastock Z réécrit, moi, je rêve d'une coop, Jake Axel. Ah, c'est. Tu sais, Jake, puis moi, on en parle depuis aussi longtemps qu'on se connaît, donc ça doit faire 16 ans qu'on parle de coop, mais je suis bien contente que ce ne soit pas arrivé. Parce que si qu'on n'avait pas assez d'expérience, puis qu'on n'est pas juste sur un mélange d'immaturité, puis de manque d'expérience, Ouais. on ne l'a pas fait, puis c'est à cause qu'on n'était pas dû. Puis si ça arrive, c'est parce qu'on va être vraiment dû. Puis tu sais, moi, je le vois là, en ce moment, avec nos 2 expériences accumulées, ça se peut que ça arrive jamais, mais. Ça pourrait très bien arriver à cette Puis heure. tu sais, ce qui est tough aussi, c'est que pour travailler en collaboration de même, faut que ton ego soit complètement de côté. Hein. Ça, Tu sais, c'est faut. dur avec moi. Ben, c'est qu'en fait, moi, je pense que c'est pas vrai ce que tu dis. C'est J'ai juste que deux ça yeux. dépend de où tu es rendu dans ta vie. T'sais. Ouais. Moi, si toi, tu avais 3 albums de publier, puis que moi, je rush à faire mon premier, puis finalement, il sort, puis ça n'a pas le succès que je veux, m'avoir de la misère à me laisser aller dans un projet commun, t'sais, parce que je suis comme insécure, puis. Ouais. Tandis que justement, tu sais, comme après un truc comme Alice ou tu sais, où là je suis comme j'ai rien à me prouver, ben je suis game de
T'sais, puis on a déjà travaillé ensemble pour un projet qui n'a pas vu le jour, mais qui est un test. Puis les deux, on n'avait pas d'ego, là, t'sais. Notre seul but, c'était de raconter une bonne histoire, t'sais. Ah oui. Alors, on peut le dire, de toute façon, on n'est pas, on a le droit de dire, c'était Ben sur oui, moi. ben oui, ben oui, on a le droit. En fait, c'était une BD de commande, mais quand même très intéressante. Puis c'est drôle parce que ça rejoint un petit peu l'univers Sengoku que je parlais tantôt. C'était pour faire des BD pour le jeu vidéo For Honor, pour la nouvelle franchise qui était l'Empire mongol. Si je ne me trompe pas, Ouais, puis Chris, j'en revenais pas de ce qu'on avait réussi à faire. c'est le jeu d'Ubisoft là, pour les gens qui Ouais. savent pas c'est quoi For Honor là. Moi, en plus, je joue plus au jeu, mais j'ai joué énormément. Je m'empêche de jouer parce que sinon, je ne ferais plus de BD. Mais c'était assez impressionnant. J'étais vraiment surprise parce que moi, je ne suis pas du tout dans l'historique, encore moins. Des trucs très réalistes, avec des costumes réalistes, des chevaux, tout, puis on avait fait en fait, en plus, ça n'avait pas marché, mais pas à cause que notre truc était poche, c'est parce qu'il y avait eu c'était des problèmes à l'interne, il y avait du changement de personnel, puis soudainement, le nouveau directeur, il voulait faire ça à sa façon, mais je pense que les gens de lui, la première équipe avait beaucoup apprécié ce qu'on avait fait. Ouais. Non, non, c'était vraiment Personne n'aurait cool. pu reconnaître que c'était nous autres. Oui, il y avait ton trait, là, mais c'était tellement différent de tout ce qu'on faisait. On faisait ça avec Gauthier Langevin, notre éditeur chez Froidfrette, qui était au scénario. C'était une belle expérience pour, même si c'était que quelques pages qu'on a fait. Je sais pas si j'aurais le droit de publier ces pages-là sur mon Patreon, sûrement. Appelle ça fort quelque chose d'autre, là. Not for honor. Non, C'est ça le titre. non. Geneviève Côté, allô Geneviève, a dit personnellement, je peux pas commencer à travailler si je sais pas le budget. C'est clair, c'est clair. T'sais, surtout des projets de BD, là, t'sais, des fois une illustration, puis même à ça, t'sais, c'est après l'expérience, mais t'sais, je pense à, mettons, quand je commençais, des fois je m'embarquais dans des affaires sans vraiment savoir le budget précis, mais une BD, tu peux pas là, commencer à dire ouais, on checkera là, comment ça paye au bout. T'sais, non, c'est ça te prend le budget clair et précis. Bon, de un, savoir l'envergure du projet, puis de deux, le temps que tu veux mettre dessus. T'sais. Si un client qui te demande une illustration genre d'une fresque médiévale avec 10 millions de personnages, mais qui te donne 200$. Ben, tu sais, c'est à toi de voir. Ça va peut-être être plus un close-up ou ça va être dessiné vraiment sketch ou, tu sais. Mais si, en échange, quelqu'un qui t'offre 1 000$ pour faire une BD de 12 pages, ben là, tu vas faire, ah, OK, tu sais, je vais me donner. Là, c'est bon. Fait que, ouais, c'est bon point. Oui, je vais faire une petite note qui n'a pas rapport, mais tu sais, les gens qui me voient ancré depuis un bout, là, vous constaterez que je fais plus de CTRL-Z que de lignes, ce qui n'est pas logique parce que normalement, tu peux pas enlever plus que ce que tu as créé, là, mais je suis épouvantable sur le CTRL-Z. Je suis tout le temps en train d'effacer. Fait que c'est les bons et les mauvais côtés de faire ça à l'ordinateur parce que à main, j'entre pas mal plus rapidement. Ouais, moi, je vais essayer pour un projet futur, là, je vais essayer la technique que je rêve de faire là, depuis longtemps, qui est un peu la technique que c'est Oli Carpentier qui m'avait montré ça. Puis c'est qu'il fait ses sketchs à l'ordi, il fait imprimer ça en bleu pâle, puis il Ouais. encre à la main. Je pense que c'est comme le mix parfait des deux, mais encore là, tu vas perdre un peu de temps dans la préparation de fichiers, à faire imprimer ça, les cartouches d'encre, rescanner. Le nettoyage, Ouais. Mais c'est c'est ça, la tu pire étape. mais en même temps, il y a des pour et des contre. C'est vraiment, je pense, libre à chacun là, de trouver sa propre technique. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais comme savoir c'était quoi la bonne manière de faire de la BD. Puis à chaque fois que j'en parlais à du monde, tout le monde avait une réponse différente. Puis Ah non,
Je trippais bien gros sur Paul Pope, qui est un auteur de BD incroyable. Puis lui, man, ses pages sont géantes. C'est des pages là, qui sont grosses comme une table à dessin. Puis il met ça à terre, puis il ancre ça à genoux, puis il a un gros pot d'encre avec son gros pinceau japonais. Puis après ça, t'as Jimmy Beaulieu qui fait ses originaux au crayon de bois sur du plus petit que du 8,5-11, tu sais. Fait que ça m'a comme fait catcher. OK, personne ne le sait, dans le fond. Il n'y a pas une bonne technique. C'est propre à chacun, tu sais. C'est à toi de trouver ta manière. Puis moi, plus j'y pense, plus depuis un bout, j'essaye tout le temps des techniques différentes parce que je pense que c'est correct aussi de changer d'outil pour chaque projet. Ce qui est peut-être moins intéressant ou un peu à déconseiller, c'est de changer d'outil pendant un projet. Mais par projet, je pense que ça peut être intéressant là, pour un auteur de faire comme OK, celle-là, j'essaie de la faire toute traditionnelle. OK, celle-là, je la fais au. Tu sais, comme là, Chanson Noire, je la fais sur l'iPad au complet. Puis, tu sais, pour vrai, je capote. T'sais. En même temps, je me suis surpris à souvent effacer, puis, tu sais, refaire un crayon, un trait. Mais bon. Akab, elle me dit que c'est ça la technique qu'elle emploie aussi. Elle imprime son sketch, puis elle encre à la main. C'est cool. J'ai sorti, oui, c'est ça qui a refait. J'ai sorti juste pour montrer, c'est El Jango dans la BD si on était. Bon, fait OK. que. Fait que là, attends, là, tu n'as pas changé sa coupe de cheveux, là. Elle avait les cheveux longs au début, là. Ouais, j'ai changé sa coupe de cheveux. Veux-tu j'en montre une plus vieille? Ouais, monte une plus vieille. Puis moi, je l'ai faite avec une casquette aussi, là. Ouais, mais là, mes filles changent de look à tout bout de champ. Ben, check, je vais re-switcher à mon écran, puis essayer de trouver un. Ben, là, je l'ai en Jedi. Ah, ben là, j'ai switché à mon écran. Non, 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 OK. c'était juste pour montrer. De toute façon, OK. même si c'est pas grave. Là, je l'ai en guerrière elfique. Non, non, c'était juste pour montrer vite, vite, là. Je retourne à mon écran. OK. Mais le pire, c'est que je regarde le temps, là. On a fait 1 heure et demie. Moi, d'habitude, c'est à peu près l'heure que j'aime mes streams. Tu veux-tu qu'on continue un peu ou t'es prête à arrêter? Ben officiellement, je continue, peu importe ce qui arrive, parce que j'ai pas assez travaillé aujourd'hui. Fait que c'est à toi de voir, là, Jake. OK, ben check, on peut peut-être se donner un petit 15 minutes encore aux gens s'ils veulent poser des dernières questions ou si on a peut-être oublié de répondre à certaines questions, n'hésitez pas à la. C'est pas parce qu'on ne trouvait pas ça intéressant, c'est juste parce que ça a passé, on a passé tout droit, là. Ben moi, c'est soit ça ou soit qu'on fait une petite pause puis on en fait une petite demi-heure encore. C'est à toi de voir. Ben ça, c'est une affaire que j'ai remarqué, c'est que. Tu sais, présentement, là, il y a 15 personnes sur le live. Si on prend une pause, on en revient, puis il reste genre 4 personnes. Je sais qu'on fait pas ça pour ça, mais tu sais, tant qu'à faire une pause, je me dis, ah, on a peut-être fait le tour. Moi, honnêtement, je suis un peu satisfait de mon dessin. Je le trouve correct de même. Il est très beau. T'avais-tu un modèle à côté? Ben, j'ai la pochette originale de Converge. Ça, je l'avais à côté, là. Mais Bon, ben, j'ai pas copié. c'est que moi, je suis exactement à l'heure qu'il faut que je nourrisse mon chat satanique. Fait qu'au pire, à checker, je me mets sur mute 1 minute, puis je reviens vous voir tout de suite. OK. OK? Bon, ben c'est parfait. Fait que ben je peux voir que si vous avez des dernières questions, des choses que. On n'a pas touché le 30, malheureusement. Fait que. Puis vous m'avez pas non plus dit qu'est-ce que vous vouliez voir rendu à 30. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de spécial rendu à 30? Je sais pas. Ça aurait dû être ça. À 30, je parle de mon projet, tu sais, genre j'annonce mon projet, je sais pas. Ah là, on va faire de quoi d'épeurant juste avant qu'on se quitte. C'est la chose la plus épeurante au monde quand on dessine, c'est de switcher, faire un reverse à l'horizontale pour voir comment que tout est croche dans le fond. Fait que.
Et voilà. Oh, il est en train de loader. Ah ouais, mon fichier est si gros que ça. Ah, j'ai fait un gros fichier. Oh! Fait que là, on peut voir qu'il est tout croche, là. Elle a un œil qui pend. En même temps, j'aime ça parce que ça y donne un côté. T'sais, on dirait qu'elle a un œil fermé puis un œil qui regarde. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça pendant tout. De retour. Bon, ben, moi, j'ai eu le temps de reverser mon dessin puis d'avoir peur de moi. C'est surprenant. Il est pas, c'est pas du tout cassé. Ah, moi, je trouve que oui, ben oui. Moi, je trouve qu'il est très Ben, cassé, là. il y a un petit peu, mais je pense que c'est niveau, à part les oreilles, là, je pense que les oreilles sont un petit peu croches, mais. Moi, je pense que c'est réaliste. Tu flipperais ta face, elle sera encore plus croche. Oui, ça, c'est vrai. Ça, t'as-tu déjà fait cette expérience-là de genre pogner, mettons, un selfie puis de faire de la symétrie, là? Ben, la symétrie, c'est dégueulasse. Là, on ne se ressemble même plus. C'est ça, c'est que c'est Là. fucké parce qu'on dirait nous autres, mais on dirait une autre personne. C'est vraiment, Ouais. c'est les deux en même temps. Genre, tu te reconnais, mais tu ressembles pas à ça, Exactement. là. Bon, ben, check, on va le remettre comme il faut, là, mais non, non, c'est moins Pour pire que. vrai, C'est moins pire que d'autres dessins que j'ai faits, là, moi, que vraiment, quand tu le flippes, là, on dirait que c'est un monstre, là, déformé, là. Là, c'est juste l'œil un peu qui a de l'air lazy, mais en même temps, je trouve que ça fit. Fait ouais, non, que. moi, je trouve que ça fait pour vrai. Touche pas à ça. Ben, touche Satan, là, si ça tente. Juste, je Touche commencerai pas à te pas à donner ça. des ordres. Mais non, mais c'est que moi, il y a des niveaux de. À moins que. Tu sais, comme récemment, j'ai essayé un test de page de couverture pour Passage Secret. Ça devrait être Axel enfant qui est complètement symétrique de face. Et tu sais, je l'ai flippé sans exagérer au moins 25 fois. Tu sais, c'est l'affaire la plus dure à faire. Parce que tu veux pas faire un travailler en symétrie, parce que ça va donner quoi de pas naturel. Fait que tu veux juste un petit niveau de défaut puis d'imperfection qui donne une allure naturelle. Puis, fait que je me suis. Ben, c'était quand même le fun à faire, mais toutes ces énergies-là pour finalement changer l'idée de cover. Fait que je vais le poster probablement bientôt sur les réseaux sociaux, cette tentative qui est jolie, mais pas appropriée pour le ton de ma BD. Là. Là, on parle du cover que, genre, je te disais, on dirait qu'elle regarde au fond de mon âme, Oui, là. exactement. Ah, ouais. Non, je comprends que des fois, la symétrie. Mais moi, je trouvais vraiment qu'il. Je le trouve vraiment réussi, ce dessin-là. Ben, tu sais, je m'en servais pour sûrement pour la promo toute. Là, je suis pas. Il n'est pas perdu. Ben, envoie-moi-le. Moi, je vais me le faire printer d'un petit Là. côté. Fate, tu dis à 30, tu fais 30 dessins en 30 minutes. Ouais, ça serait possible. Ben oui, why not? Ouais, le pire, c'est que ça serait bon, ça, pour le stream, là. Tu sais, les gens, ils checkeraient tout le temps, là. C'est une bonne idée. Tu sais, une minute par dessin, t'en fais 30, là. Clac, 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 clac. Ratastocks dit à 30, je veux une page de BD, Cadaz Exquis, Jake Axel, Cab, un stup de 3 cases chacun. Juste la dernière case pour un indice pour le prochain. Ben, tu vois, ça, là, c'est le genre de truc qui serait déjà plus possible que. Parce que si, mettons, les trois, là, on se dit, OK, on fait ça avec, tu sais, le petit programme que j'utilise, là, pour dessiner sur le même canevas, là. Ouais. Tu te dis, OK, on fait ça dure 1 heure, puis c'est comme si on dessinait d'un bord ensemble. Fait que, tu sais, il n'y a pas de. Brainstorm, qu'on jase, puis que là, on faut que tout se mette d'accord sur la même idée. Tu sais, ça reste plus une niaiserie. Y a pas de, on n'est pas obligé de mettre du temps là-dedans. Puis on aurait une belle petite collaboration. Fait que, why not? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tandis que, tu sais, si, mettons, on se lance dans un projet plus sérieux, ben là, tu sais, faut que les trois, on ait le temps. Faut que les trois, ça nous tente. Faut que, bon. Fait que, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Cab, tu me diras si ça te tente, mais moi je vous propose ça là, dans les prochains mois, là, qu'on fasse un petit dessin, une page de BD à trois, là, ça serait cool. Ben oui, ça paye bien, pourquoi Exact, ça va pas? payer en. Ça va payer en view, man. C'est que j'ai ça, le monde qui dit ça. Ça va te donner de la belle visibilité.
Ben, c'est Bon, parfait. ben, fait que, écoutez, ça va être ça pour cette semaine. Je suis bien content du résultat. Puis je vais juste retourner à toi. Ah, t'es en train de faire. Je suis en train de faire Jane Doe, là. Ah, ben là. Jane Doe qui est défigurée par la tristesse. Puis là, ça, cette page-là, elle va être publiée quand? Ça va être publié. D'après moi, ça devrait être le numéro de juin ou de juillet dans le magazine Curium. OK. Puis sinon, Fait que c'est en cet livre, été. ça va être en 2024. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que tu sais, le monde qui achète Curium peuvent la lire avant, puis ils savent qu'est-ce qui s'en vient, Ben, puis tout. ouais. Puis C'est hot. des fois, j'en mets des pages en primeur aussi sur mon Patreon. J'y pense pas souvent, mais il y a des pages, j'ai le droit de le mettre. Fait que des fois, je mets, mais ici, on était là en cachette. Nice. Hey, merci Axel d'avoir été là, d'avoir Qu'est-ce que tu jasé dirais? avec moi. Laisse juste ouvert, je vais rester avec les gens. Toi, tu peux aller faire tes affaires. Hey, merci, Jake. Merci, parce que c'est toujours un plaisir. Puis, de partager aussi ta plateforme, c'est fantastique. C'est une très belle initiative de ta part. Puis, il manquait ça au Québec, je trouve. Le cartooniste kayfabe québécois qui fait ça complètement différemment, puis à sa façon, c'est merveilleux. Mais là, c'est ça, ce n'est que le début, parce que évidemment, ça aussi, c'est une chose que vous pouvez répondre là, dans les commentaires. C'est quoi les auteurs? Quel auteur vous aimeriez ça voir? Évidemment, c'est pas tout le monde qui veut dessiner live. Il y en a qui préfèrent juste jaser. Il y en a qui préfèrent ben, faire comme un peu Axel. Tu dessines live, mais tu dessines sur tes trucs. Moi, j'ai aucune obligation pour absolument rien, même si il y a des auteurs qui veulent juste parler. C'est bien cool aussi. Moi, c'est sûr que je fais le tour de mon réseau, voir c'est qui s'intéresse. Il y a des gens qui m'ont dit oui. Il y a des gens Hey, qui. on peut-tu avoir des spoilers? On peut-tu avoir des primeurs? Et quel auteur qui t'a confirmé qu'il viendrait bientôt, là? Ben là, j'en ai trois de confirmés, mais on sait pas les dates encore. Fait Ben, que c'est pas grave, ça. ben c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas, hey, Mais. ça, c'est la soirée des reveals. Juste un auteur. Reveal-nous un auteur. Tabarnak. Hey, je pensais pas que t'allais me faire ça. Il gagne, c'est la dernière fois que vous me voyez à cette émission-là. Merci d'avoir été là. Hey, Fate, tu dis Jason Burroughs. Le pire, c'est que j'aimerais tellement ça parce que j'y ai fait une demande d'amitié Facebook dernièrement. Mais les invités confirmés, mais qu'on ne sait pas les dates, ben, il y a Boom, des Boomeries. Nice. Il y a Djibril qui m'a dit qu'il embarquerait. Yeah, du bon calibre, là. Et il y en a un que je suis un peu nerveux, Ah mais ouais? qui est Denis Rodier. Oh! Ça, j'ai Pourquoi l'impression que ça va comme t'es changer. nerveux? Ben, parce que j'ai comme l'impression que ça va changer la game, là, ça. C'est comme. Mais Denis, je sais pas si tu le connais personnellement, mais c'est vraiment un bon déconneur, là. Ah Si, oui. Non, 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 je suis pas nerveux à cause de lui. T'sais, on s'est souvent parlé, puis au Mystérieux Étonnant, puis tout. Je suis plus nerveux au sens de la technique, puis de gérer tout ça, puis de. Ah, Parce OK. que je sais que t'sais, Denis a peut-être une crowd qui va peut-être apporter plus de monde d'ailleurs, mettons des Français ou whatever. Oh, Mais après ça, hey, moi, t'sais, nomme la liste, là. Il y a tellement de monde que je veux, là. T'sais, de toutes les genres, t'sais, autant des vrais cartoonistes que t'sais, évidemment au Québec, j'aimerais savoir tout le monde. T'sais, autant Caton, j'aimerais ça que. On dirait que j'ai comme trop de monde dans la tête. Fait que. Toi, c'est qui que t'aimerais que j'invite, Axel? ben, tu sais, je pense qu'il faudrait que ça. C'est pas quelque chose de nécessaire en général pour ton truc, parce que tu penses à la base, tu n'as même pas fait. Tu n'avais pas l'idée, je pense, de faire des entrevues à base là-dessus. Mais, tu sais, d'après moi, si tu avais un peu plus de visionnement, ça serait faisable d'avoir Jim Rugg.
Il fait exactement la même chose, ça serait très le fun parce qu'il a un beau style, il est à l'aise de parler devant le monde, puis il est à l'aise de dessiner aussi. Je sais pas, pour moi, ça serait ça. Mais au Québec, ben, tu sais, déjà 14, je trouve que c'est vraiment cool. Il y en a beaucoup plus jeunes qui ont passé, qui seraient intéressants. Mais tu sais, c'est que aussi en anglais, moi, faut que je me dégourdisse, là, parce que la dernière fois, c'est ça, j'ai été invité à un podcast anglophone, puis j'ai rushé, pour vrai. Avant, j'étais capable de switcher. J'étais capable, mon cerveau, il switch, puis il réfléchit en anglais, puis je parle comme ça. Là, au dernier podcast, je traduisais dans ma tête, fait que ça fait des discussions beaucoup moins fluides. Fait que ça me prend un ami anglophone à qui je vais jaser à tous les jours. Pour pouvoir commencer à inviter des Américains ou des anglophones. Ouais. Puis. Je pense que tu es dur avec toi-même quand même, là. Tu sais, ceux qui vont être interviewés, s'ils sont anglophones, ils comprennent, là, que, tu sais, ils vont pas bouder puis partir à cause que tu as fait une erreur de vocabulaire. Non, mais c'est que ça a l'air niaiseux, mais il faut quand même penser à beaucoup de choses pendant qu'on fait le stream. Fait que, tu checkes les sources audio, tu checkes les deux sources vidéo, tu gères le switch d'écran, tu checkes les commentaires sur YouTube, tu t'assures que le stream est correct. Fait qu'en plus de tout ça, it would be kind of Ouais, hard il va talking in English all the time, you know? quand tu vas être rendu là, c'est tu vas avoir un ou une technicienne là, qui s'occupe du chat et de toute la partie informatique. Ah, yes, je vais avoir ça. Je vais engager quelqu'un pour Excellent. s'occuper de... Ah, je vais t'engager, toi. Yes! Yes. Fait que Cab a dit, Yo, Jake, on se fait des appels en anglais. Sure, I'm down. I really need to talk more in English and think more in English. Because it's not because you listen to TV shows in English or you read in English that you necessarily think in English. So that can be a bit of a struggle for me. Fait que, Malheureusement. ouais, c'est ça. Fait que, ben, écoutez, hey, merci tout le monde d'avoir participé. Il y a quasiment personne qui a pas jasé dans le chat, là. Fait que, Hey, c'est. dude, tu peux pas raccrocher, il y a encore 14 personnes là. Ben, là. Je Je veux dire, m'amener. te trouve sans cœur, sans cœur. Ben, justement, tu fais une belle On va expression. passer au. Tu fais une expression qui exprime bien ton émotion présentement. Ouais. Parle pas, Jake, parle pas. Hey, man, je viens de me rendre compte que mon illustration, si on ne sait pas l'histoire, on dirait qu'elle va saisir de quoi avec sa main, que je ne veux pas qu'on ait l'image dans la tête. Ah, on dirait qu'elle suck Invisible Dick. Non, ah, t'es fou, mental, mais c'est pas ce que je pensais par la tête. Mon Dieu, Jake, Ah, je je pense regrette croche. d'être venu à cette émission. Bon, ben écoutez, hey, merci tout le monde d'avoir été là. Là, allez sur le Patreon d'Axel, rendez-nous riches, allez sur mon Patreon. Pour vrai, là, rendez-nous genre des légendes. On veut devenir des fucking légendes au Québec. On veut devenir genre les plus hot. On veut genre avoir comme. Tu sais, aller voir les humoristes là, qui nous disent « Ouais, moi, je fais 30 000 $ sur Patreon par année. » Puis faire que « Ah, c'est cute. » Tu sais, nous autres, on fait genre 200 000 $ par année. Puis que genre, quand les salons du livre réouvrent, on soit accueillis comme des fucking rock stars, que genre, on sorte d'une limousine, que tu sais, genre, Guillaume Lepage, genre, il est en ligne pour venir nous jaser, puis il est pas capable. T'sais, genre, on est trop big pour lui. C'est ça qu'on veut devenir. On veut devenir des fucking méga giga Ah. stars. On veut que, genre, Ed Pisker puis Jim Rugg de Cartoonist Kayfabe sont comme hey, j'aimerais ça les inviter à Cartoonist Kayfabe, mais je pense qu'ils sont trop big pour nous autres. On veut se rendre là. On veut devenir, genre, des monuments qui vont. On veut notre nom dans les livres d'histoire. Fait que pour ça, allez sur Patreon. Bon, Donnez-nous là, je veux 3 juste piastres par préciser à tout le mois. monde. Je veux préciser à tout le monde que ça, c'est le rêve à Jake que je pense qu'il est en train de virer fou. Mais, ouais, rendez-nous riches, c'est vrai. Non, il a Ben oui, raison. ben oui, ben oui.
quand je dis nous, je parle de tous les auteurs du Québec en passant. Ben voyons Oui, donc, pas vite. ouais, Toi tout puis le monde. moi, là, that's it. Non, OK. non, non, toi puis moi. OK, on commence par nous deux, puis tranquillement, S'ils les veulent autres en devenir parlent. riches, les autres auteurs, si on veut, s'ils veulent être riches, qui passent à ton émission? C'est comme ça Exact. qu'on devient riche au Québec à cette heure. C'est vrai, ça. Faut que le monde passe à The Joy of Digital Painting pour devenir riche. Hey, OK. en passant, tu sais, comme assistant d'émission, là, Danny Turcotte se cherche une job, Ah. Ben, peut-être, j'ai peut-être un poste qui s'ouvre. Honnêtement, si j'avais le choix entre toi puis lui, je pense que je te choisirais toi, là. Sans même niaiser. Sans niaiser. Mettons vraiment là, que quelqu'un nous met en contact puis Danny Turcotte serait game. Je serais comme, je pense que je vais le faire avec ça. Ça, ben c'est que l'affaire, c'est comme ça serait trop weird, ça serait tellement bizarre. Ah oui, ça fitterait pas partout. Ouais. Ben voilà, c'était ça l'épisode de cette semaine. Pour vrai, je suis vraiment content d'avoir fait ça avec toi. Je sais que je le dis souvent, genre à tous les invités, genre que je veux les réinviter. Mais Axel, j'aimerais ça que tu deviennes plus un regular. Tu sais, que tu sois plus une invitée qui est là plus souvent que les autres. Je sais pas pourquoi, là, mais je me sens. Ben, j'accepterai avec joie. Bon, ben c'est parfait. Ben, tu sais, la bouche-trou de luxe, là, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, c'est ça. Exact. Exact. C'est demain que je te vois. Ben, c'est correct. De toute façon, tu sais, quand tu fais ton émission, je travaille. Fait que je Ben, c'est sois filmé ça. ou pas. Exact. Puis, tu sais, pour le monde, je pense que c'est cool. Là, ils peuvent voir ça évoluer aussi. Là, fait Ben que oui. je pense que c'est nice. Bon, ben, merci tout le monde. Merci Axel. Merci Cab. Merci Ratastock. Merci Fage. Merci Noctis. Merci Martine, merci. Ah, et là, j'essaie de nommer tout le monde, mais merci pour vrai. Merci à Francis. Merci à tout le monde qui était là dans le chat. J'apprécie vraiment que vous jasez avec nous autres. Ça crée un dynamisme vraiment cool, vraiment le fun. Ça me donne l'impression d'être une petite communauté. Fait que voilà. Puis ben, on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.